Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Before beginning, here are the instructions for accessing the translation in English or French. You should see the interpretation icon at the bottom of your screen. Please click on it and select the language you wish to hear. You can also deactivate the original audio to hear only the interpretation. For your questions, please use the Q&A option, not the chat. Une icône d'interprétation pour l'anglais et le français devrait apparaître en bas de votre écran. Veuillez cliquer là-dessus et sélectionner la langue que vous souhaitez entendre. Vous pouvez aussi désactiver l'audio d'origine pour n'entendre que l'interprétation. Veuillez s'il vous plaît utiliser le lien Q&A pour vos questions en anglais ou en français. Mon nom est Kerry Max et je suis le directeur adjoint de Partenariat pour le climat, une initiative du gouvernement du Canada pour financer la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature en Afrique, qui appuie l'adaptation au changement climatique, la conservation de la biodiversité et l'égalité entre les sexes. Je tiens à préciser que je m'adresse à vous de la ville d'Ottawa, Canada. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé des peuples autochtones de la nation Anishinaabe-Algonquin. La nation Anishinaabe-Algonquin vit sur ce territoire depuis des millénaires et leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. De nombreuses femmes dans le monde qui soutiennent l'action climatique directement et par l'intermédiaire de leurs entreprises sont confrontés à des défis similaires à ceux des peuples autochtones, en termes de faire reconnaître leurs droits, la valeur de leur savoir et de leur gestion, et d'exercer leur leadership. C'est dans cette optique que j'ai l'honneur de vous accueillir à ce webinaire sur le thème de femmes entrepreneurs, acteurs essentiels de l'action climatique. Ce webinaire, qui est enregistré, est co-organisé par le Green Growth Knowledge Partnership et le Comité des donateurs pour le développement des entreprises, DCED. Ces deux organisations, ainsi que les donateurs qui les soutiennent, incluant le Canada, s'engagent à soutenir les femmes et les entreprises dirigées par des femmes dans leurs efforts pour aider leur communauté à faire face au changement climatique par des moyens inclusifs, durable et efficace. Pour contrer le discours dominant qui dépeint les femmes comme des victimes des changements climatiques et démontrer que les femmes et les entreprises dirigées par les femmes sont en fait à l'avant-garde des solutions, le groupe de travail sur l'autonomisation économique des femmes du DCED a chargé le Canopy Lab de rencontrer des femmes qui dirigent ces types d'entreprises et de formuler des recommandations sur la manière dont les donateurs peuvent mieux soutenir leurs efforts. Je m'excuse pour le son de mon chien, là. Leurs études de cas, que vous pouvez accéder par le site web du DCED via un lien qui sera partagé dans le chat, mettent en évidence femmes comme agents actifs du changement et présentent quelques bonnes pratiques issues des efforts des donateurs qui essaient de promouvoir l'autonomisation économique des femmes en tant qu'objectif en soi et en tant que moyen de lutter contre les changements climatiques. Avec ça, laisse-moi introduire notre modératrice, Olola Vieira. Olola a été conseillère technique au bureau du président du Bénin où elle a travaillé sur des dossiers qui incluent l'efficacité énergétique et l'accès à l'énergie, l'environnement et la pénurie d'eau. Depuis 2022, en tant que représentante nationale du Global Green Growth Institute, elle soutient le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans ses politiques de croissance verte, dans la mobilisation de financement pour des projets d'investissement vert, et dans le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la croissance verte. Olola, je vous cède la parole.
Merci beaucoup, Kerry, pour l'introduction au contexte du sujet qui nous réunit aujourd'hui et qui est très riche et qui est surtout un sujet qui nous tient à cœur également au niveau de l'Institut mondial pour la croissance verte qui est un partenaire du Green Growth Knowledge Platform. Alors, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour aujourd'hui donner la parole à des femmes extraordinaires qui ont, par leurs initiatives, contribué et contribuent toujours d'aider l'essor des femmes à travers leur action qui contribue également à la réduction des effets et des impacts du changement climatique dans leur secteur respectif. Donc, nous avons ce programme passionnant qui sera un partage d'expériences et d'idées avec Madame Ndeye Marie-Rose Mendy du Sénégal et Madame Abidat Abdourahmane qui est aux Comores. Nous verrons donc avec elles leur cas, leur initiative. Et comment aussi leurs actions pourront être mieux soutenues par les donateurs ou quels pourraient aussi être les efforts pour que nous puissions essayer d'intensifier ces actions qui sont déjà mises en œuvre dans ces deux pays. Alors, peut-être pour démarrer notre discussion sans plus tarder, j'aimerais présenter notre première panéliste, donc Madame Ndeye Marie-Rose Mendy. Elle est aujourd'hui secrétaire générale de la coopérative Société des collecteurs de déchets solides de Mbebes Bokdiom à Dakar depuis 2022. Et elle partagera avec nous sa vision de la coopérative qui compte aujourd'hui près de 700 membres, dont plus de la moitié sont des femmes. La coopérative a été créée en 2021. Et à la suite donc d'une vaste recherche participative qui a été menée par Women in Informal Employment et l'Organisation internationale du travail. Alors, Ndeye Marie-Rose, bonjour. Je vais également introduire notre deuxième panéliste à rejoindre la conversation, Madame Abidat Abdourahmane, qui donc vient d'une famille d'agriculteurs aux Comores et qui est diplômée en biologie. Elle nous vient avec une initiative qui a piloté l'installation de biodigesteurs aux Comores, car elle-même, après avoir observé les effets de l'utilisation d'engrais chimiques sur la peau, elle a cherché à trouver une solution qui transformerait la biomasse, donc la biomasse en énergie et les déchets en liquide naturel en engrais. Et donc, elle nous expliquera son projet, qui a reçu notamment l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, avec un appui en microfinance. Abidat, bonjour. Peut-être pour rappel à nos participants, hein, je vois que nous sommes déjà une centaine, en ligne. Si jamais vous avez des questions, pendant les présentations, n'hésitez pas à utiliser l'onglet qu'on appelle Q&A avec un point d'interrogation qui permet de pouvoir recevoir vos questions en français ou en anglais parce qu'une traduction est disponible. Donc, nous aurons un peu plus de 40 minutes pour échanger avec nos deux entrepreneuses. Et sans plus tarder, j'aimerais peut-être qu'on commence par rentrer dans l'explication des projets, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, pourriez-vous, je vais commencer par Ndeye Marie-Rose, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton projet et surtout comment cette coopérative a contribué à l'autonomisation économique des femmes? Surtout, comment la valorisation des déchets a permis de soutenir également cette démarche. Merci. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ndaye Marie-Rose Mendy.
Je suis secrétaire générale de la décharge de Bobos, qui est située à Malika. On nous dit Bokdjom. On a uni nos forces. C'est pour cela qu'on a créé ce nom, Bokdjom. En avant, on était en association. Mais on voit que l'association ne peut pas, pour être une association, tu ne seras pas, tu ne peux pas être autonome. Et on a créé une coopérative. Grâce à l'appui de BIT, c'est nos voeux, c'était notre vœu, parce qu'on voulait créer la coopérative. Parce qu'auparavant, on était un secteur informel. Chacun travaille pour soi-même. Mais en créant une coopérative, on a plus d'autonomisation. Parce qu'on a l'intérêt sur les. On est bénéficié sur les prix. Parce qu'en avant, ce sont les intermédiaires qui nous corrompent à leur prix. Le prix n'était pas décent. Peut-être on te dit, on va te vendre ça à 100 francs. Tu es obligé de le prendre parce que tu n'as pas de choix. Mais grâce aux coopératives, c'est nous qui existons nos prix. Et ça a été très bien parce que ça nous a permis d'être autonomes. Je pense que tu as parlé d'un point très important qui est le passage de l'informel à coopérative. Et justement, comment tu as remarqué que la vie des femmes qui sont impliquées dans la coopérative a changé? Oui, la vie des femmes ont changé grâce aux coopératives. Parce que c'est grâce à ces coopératives qu'on a accès à une mutuelle de santé. Auparavant, on n'avait pas de mutuelle. Si tu es malade, des fois, tu n'as pas d'argent d'aller à l'hôpital. Mais maintenant, on a accès. C'était notre rêve, mais on ne pouvait pas le faire. Mais grâce aux coopératives, on a une mutuelle de santé. Même si tu es accouché, tu peux accéder dans les cliniques. Si tu es malade, tu peux te soigner sans de frais. Pas de frais, mais sans beaucoup de frais. C'est grâce à cette coopérative, ça nous a facilité notre travail. Parce que la BIT nous a accompagnés sur des machines de production, les machines de broyage. Les machines de broyage et une protection. Un équipement de protection et ça nous a facilité aussi notre travail parce qu'on travaille durement, on travaille presque 8 heures de temps sans aucune économie. Mais maintenant, on a une machine de broyage. Si tu viens, tu le broies, après tu vas le vendre aux usines. La coopérative va le vendre aux usines. Tu as deux intérêts. Tu vends ça, tu as ton argent, après tu as beaucoup de bénéfices dans les usines. Excellent, excellent, c'est vraiment très beau. Peut-être pour rebondir sur cette initiative et voir aussi l'expérience d'Abidat, est-ce que tu pourrais nous présenter ton expérience qui est également liée à la gestion des déchets dans un autre contexte, hein? Présenter un peu le cas des biodigesteurs. Et nous expliquer comment cela a contribué aussi à l'autonomisation économique des femmes aux Comores. Merci Lola pour m'avoir donné la parole. Moi, c'est Abidat Abdourahmane. Je suis diplômée de biologie, également de master 2 en gestion de ressources halieutiques, entrepreneur et mère de 3 enfants. Donc, l'initiative de valorisation des déchets organiques est due c'était une passion depuis mon jeune âge. Mais il manquait d'initiatives pour accompagner et financer le projet pour le mettre en œuvre. Et du coup, je dirais une opportunité parce qu'il y a eu un lancement d'une activité de Global Startup Weekend en juin 2019. Et je me suis dit, tiens, voilà l'opportunité, je dois me présenter. Donc, c'était 54 heures pour entreprendre, c'était comme ça. Donc, c'était 54 heures avec 100 projets à présenter des jeunes. Donc, on a été
Il fallait convaincre des jeunes parce que sur les 100 projets, il fallait sélectionner 7. Donc, j'ai convaincu des jeunes sur place à rejoindre mon projet. Donc, et du coup, on a sélectionné ces 7 projets et ces 7 projets sont encore confrontés à une audience de jury. Et du coup, on a retenu les 3 meilleurs projets et c'est de là que mon projet a retenu l'attention, a vu le jour pour la valorisation des déchets organiques en biogaz et biofertilisants. Mais il n'a pas suffi d'être lauréate parce que pour être lauréate, on n'avait rien eu que 50 000 francs comoriens. Et avec 50 000 francs comoriens, ça pouvait pas financer le projet. Mais comme il y avait l'ex-représentante du PNUD, Madame Fenella Frost, qui a montré son intérêt dans le projet, et elle nous a demandé, en me rapprochant d'elle, elle nous a demandé, moi et mon équipe, de passer la voir dans ses bureaux. Donc, c'est de là que tout a commencé. On a essayé de voir comment on puisse avoir des fonds pour ce projet. Et donc, elle nous a aidés à nous rapprocher du Small Grant Program, qui est le projet de microfinancement au PNUD. Donc, c'est de là qu'on nous a conseillé par le chef du Small Grant Program, qui nous a conseillé de nous constituer en coopérative et nous a montré l'avantage de se constituer en coopérative, que ça pourrait être très bénéfique, non seulement pour la subvention du PNUD, mais pour d'autres subventions à venir. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on s'est constitué en coopérative et de là, on s'est lancé. Et pourquoi la valorisation des déchets non en compost mais plutôt en biodigesteur? On s'était dit, les biodigesteurs pourraient être économiquement rentables dans deux cas. Dans le cas où on peut avoir de l'énergie propre et renouvelable à la maison, et aussi, on peut aussi avoir de l'engrais liquide à la maison pour les femmes. Donc, c'est l'autonomisation des femmes d'une façon économique. Ça leur évite de parcourir des kilomètres à aller chercher des bois et aussi à se consacrer du temps pour d'autres activités bénéfiques comme l'éducation ou d'autres activités commerciales, sachant que ces engrais, on peut les commercialiser ou faire des activités de jardinage à la maison. Ou aussi avec le biogaz, on peut faire pareil, soit le commercialiser, soit bâtir des activités comme des restaurants ou des grillades, où en fait on peut avoir des moyens génératrices de revenus via ça. Donc c'est un peu l'objet de cette initiative d'implémentation des biodigesteurs. Et effectivement, on voit que l'idée également est partie de mise en communauté, hein, avec un programme, un challenge des entrepreneurs et puis une idée de coopérative. Mais est-ce que tu peux peut-être revenir sur les défis et les challenges que vous avez rencontrés, surtout en tant que femme dans le milieu, et qu'est-ce qui vous a permis, je dirais, de continuer? J'ai compris qu'il y avait des appuis, mais les défis principalement que vous avez rencontrés. OK. En termes de défis, il n'y a pas eu mal de défis parce que je dirais même notre bailleur qui nous a financés, il ne croyait pas en 100% en notre projet comme c'était le premier aux Comores avec l'implémentation des biodigesteurs. Mais c'était comme c'était la représentante était femme, donc elle a su imposer sa voix pour accompagner, sa voix plutôt pour accompagner des femmes encore. Donc, merci à elle, même si elle n'est pas aujourd'hui aux Nations Unies, mais merci à Madame Fenella Frost. Donc, et du coup, ça n'a pas été facile dans ce sens. Et au niveau de la société, ça n'a pas été facile du tout parce qu'on a voulu implémenter ces biodigesteurs pilotes dans la communauté pour que ça soit au profit de la communauté. Mais malheureusement, la communauté l'a mal pris dans le sens où on allait même, c'est un peu rigolo. Ils nous ont jugés de fabriquer des bombes atomiques pour, pour exploser les gens. Donc, c'était un peu compliqué. Enfin, aussi, il y avait le challenge, le problème de religion, la religion en tant que religion musulmane. Donc, à un moment donné, ils ont traité de la transformation des déjections animales et de déjections aussi humaines comme étant interdit par la religion. Donc, ils ont dit ça, comment est-ce qu'on peut prendre les déjections animales et les déjections humaines et préparer quelque chose qu'on va manger? Vous ne voyez pas l'inconvénient?
Ça n'a pas été facile du tout pour expliquer le genre. Et donc, du coup, j'étais obligée de retourner vers le PNUD et voir avec le PNUD comment est-ce qu'on peut implémenter ça sans avoir de terrain communal. Et c'est au PNUD, c'est le PNUD qui nous a guidés vers deux de leurs partenaires à Moueli Oualadeu et à Bada-Sablini dans le nord de Grande Comore, pour implémenter les deux grands biodigesteurs. Et on s'est dit, pourquoi pas un troisième biodigesteur pour la coopérative. Et d'où m'est venue l'idée de, comme je suis partie dans mon village et dans nombreux villages pour les convaincre de l'initiative, qui n'ont pas compris. Et donc, j'étais obligée de l'implémenter dans un terrain que j'avais prévu de construire ma maison. Et donc, je l'ai implémenté là, mais je me suis dit, peut-être ça sera bénéfique aussi pour moi et pour l'entourage afin qu'on puisse profiter des biens de ce biodigesteur. Et honnêtement, c'est un défi sociétal, religion, et puis plus, voilà. Mais heureusement, merci au PNUD qui nous ont accompagnés avec le renforcement de capacités et tout et tout. On voit donc bien là le soutien hein, de ce type de financement qui sont axés sur peut-être des subventions, des challenges. Et, à toutes les deux, hein, d'après votre expérience, comment souhaiteriez-vous voir davantage cet appui se matérialiser avec les donateurs ou bien les différentes institutions qui peuvent appuyer des idées aussi innovatrices? Peut-être au Sénégal, comment l'appui et le soutien des donateurs peut renforcer encore plus le travail qui a été fait? Comme l'appui des donateurs pour qu'ils nous soutiennent. On a besoin des autres outils et renforcement de notre capacité d'aller dans les autres pays, de voir leur expérience et de venir les exploiter ici. Comme par exemple, ici au Sénégal, de notre côté, les déchets organiques, nous, il y a des périodes. La saison de pluie, on ne vend pas ça. Le travail va stocker parce que les donateurs, comme par exemple les gens qui achètent le déchet alimentaire, la saison de pluie, ils ne viennent pas. Parce que dans les régions, ils ont des ñax, l'herbe. Ils ont de l'herbe dans les villages-là et les pays. Ils ont de l'herbe, ils vont donner ça aux animaux, comme des bœufs, des moutons, etc. Mais la saison de pluie, nous, on ne vend pas. Notre vent va chercher jusqu'à presque novembre. Et ça nous donne un impact parce que si tu es une mère de famille, tu soutiens tes enfants, tu les donnes à nous, tu les aides au, tu les donnes à nourrir, ça, il y a un problème. Parce que si tu ne travailles pas, si tu ne vends pas, tu n'auras pas d'économie. De quoi tu vas revenir à la maison pour nourrir tes enfants. Il y a des problèmes. Mais si on nous donne si on part pour faire des formations, comme par exemple, comment on fait un compostage, faire une biogaz avec les déchets aliments, ça sera mieux pour nous. Parce qu'on aura plus d'économies. Et aussi, nous, en tant que femmes, on a des petits travaux qu'on fait, des travaux individuels, comme nos propres entreprises. Comme par exemple, moi, je fais l'élevage de porc. Si on me soutient dans l'élevage de porc, les autres aussi ils font des transformations. Il y a ceux qui font des transformations. Si on nous aide en tant que femme, ça sera aussi bien, plus mieux. Parce que ça nous donnera une autre économie aussi et ça pourra nous renforcer, de mieux nous renforcer. Aussi, on a un problème comme en tant que non plastique. C'est nous qui
qui vont dans la plateforme ramasser les plastiques et de vendre. Si on nous appuie aux coopératives, comme par exemple des usines pour fabriquer des plastiques, ça sera aussi mieux pour le travail. Ça nous facilite aussi. Parce que pour qu'on être plus autonome, ça nous permet de créer d'autres coopératives, de créer des usines pour mieux travailler avec. C'est ça. Même aussi des machines de, on les dit, Ouais, presse. On les dit pressé. presse, des machines de presse. Parce que nous, on ramasse des armignons. Des armignons, on paye un auto pour qu'il passe sur les armignons, pour que ça presse. Si on a des machines de presse, ça sera aussi mieux dans la coopérative. J'avais oublié aussi, on avait fait une leadership féminine avec le BIT. Mais ça aussi, ça nous a permis de plus de confiance en nous. Ça nous a permis aussi dans les prises de décision. Parce qu'auparavant, ce sont les hommes qui décident. Même en réunion, nous, si on voulait parler, on ne peut pas parler parce que tu n'oses pas. Si tu parles, après les hommes vont te dire pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça. Mais grâce aux formations de leadership, on a confiance en soi-même et aussi on a des prises, on part dans les prises de décision. Ils disent ce qui ne nous arrange pas, on leur dit non, ça ne nous arrange pas. Parce que si tu vas dans la coopérative, il y a plus de femmes que d'hommes. Comme les femmes participent beaucoup dans la coopérative. C'est pour cela. Grâce au leadership féminin, on a compris beaucoup de choses. Ils nous ont appris aussi beaucoup de choses. Comment être en confiance, comment tu évolues pour être autonome. Ça nous a appris. Ben non, c'est excellent. J'entends entre vos deux cas, hein, vraiment dans deux pays différents. Il y a des similitudes et des rapprochements. Abida t'a parlé tout à l'heure des problèmes de crédibilité. Il fallait déjà rendre crédible le message que elle portait avec son idée un peu farfelue de biodigesteur à base d'excréments. Il faut aussi se battre contre certains préjugés associés à la culture ou à la religion. Il y a aussi des défis techniques. Et Ndeye, tu as rajouté aussi le défi du business, en fait, parce que des fois, il n'y a pas de revenus à cause de la saison des pluies. Et également, pour pouvoir se diversifier, il faut penser à d'autres secteurs, donc comment diversifier les revenus vers d'autres secteurs. Mais surtout, tu viens de parler aussi du besoin de mécanisation. Donc, dans le cas d'Habitat, on avait une machine, un biodigesteur, et pour les déchets organiques, ce qui peut accélérer les revenus, c'est aussi avoir des presses ou avoir voilà, de la mécanisation un peu pour accélérer et augmenter le revenu. Mais quelque chose qui est aussi transverse pour vous deux, c'est le renforcement de capacités et là, les formations pour aider à donner confiance à d'autres femmes aussi de rejoindre et d'exprimer leurs idées. Alors, j'aimerais peut-être qu'on voit avec vous deux, selon vos expériences qui sont très riches, quelles sont les bonnes pratiques que vous souhaiteriez, de par votre cas, vos différents cas, les bonnes pratiques que vous souhaiteriez peut-être qu'ils soient répliquées ou qu'ils puissent être renforcées. Avec d'autres initiatives et qu'on puisse vraiment, pour pouvoir appuyer aussi le rôle des femmes dans ces différents secteurs d'adaptation, d'atténuation. Mais selon vous, comment on peut arriver à voilà, identifier et sortir quelques bonnes pratiques? Peut-être à Abidat, pour commencer. Ok, moi je pense que les bonnes pratiques qu'on peut disséminer, c'est le fait de rester persévérante en tant que femme et je dirais via les renforcements de capacités comme Dave vient de le citer, parce que tant qu'une femme n'a pas la formation de leadership, c'est facile de se retirer dans le marché et de se dire peut-être que mon projet n'est pas innovant, peut-être que j'aurai pas des accompagnateurs et tout ça. Donc, du coup, c'est d'implémenter des initiatives de renforcement de capacité
des femmes dans tous les secteurs. Et aussi, comme Dieu l'a mentionné, j'allais le dire, mais comme si on vivait en télépathie. Donc, c'est en fait qu'on aille dans les différents, que le bailleur puisse nous accompagner à aller dans les différents pays où il y a les mêmes initiatives ou d'autres pour qu'on puisse voir et échanger les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques afin qu'on puisse améliorer. Parce que moi, je me permets de dire ça parce que j'ai constaté en quelque sorte comme si le CNUD m'a financé pour le projet et peut-être ils pensent que là, c'est bon, on a financé un projet. Mais si je n'étais pas tenace, je veux dire honnêtement, si je n'étais pas tenace, j'allais être pas là aujourd'hui parce que ça fait déjà 6 ans que je suis là-dedans. Donc, j'allais pas être là, mais si je suis là aujourd'hui, j'étais la seule dans mon équipe qui travaillait. Donc, je prenais mon argent personnel salarial pour injecter dans le projet. Par exemple, au départ, on était confronté à des problèmes d'aller récupérer les restos agroalimentaires dans les hôtels. Donc, je payais le transport. On était obligé d'acheter aussi des bouses de vache, de fientes de poule. Donc, ça m'était très coûteux de payer tout ça. Et tout ça, je ne pouvais pas aller retourner dire au bailleur de me donner, mais je me disais, c'est ma contribution, on doit pérenniser ces initiatives. Et donc, du coup, on a continué et finalement, j'ai eu l'idée de m'investir, acheter une vache. Donc, on a acheté une vache et on s'est dit, oui, c'est vrai, c'est un projet pilote, mais il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit économiquement rentable par ces produits, par exemple, pour le digestat liquide. Je suis partie voir le CNUD pour qu'ils me soutiennent à au moins à commercialiser parce qu'ils ont des zones, je le dis à haute voix parce que j'ai la chance de le dire, ils ont des zones d'intervention agricole. Je suis partie voir un des responsables du CNUD de lui parler et qu'on puisse faire cet engrais naturel et qui est nouveau parce que c'est le premier engrais naturel liquide au Comores, de au moins l'utiliser dans les zones où le CNUD, même qui a été notre partenaire, de l'utiliser pour appui et pour exemple de pérennisation de leur investissement. Mais on n'a pas entendu ma voix. Je suis partie voir l'Institut de recherche aussi, l'INRAP, pour faire pareil, pour voir s'ils peuvent m'accompagner au moins à analyser, parce que s'ils ont la faculté d'analyser le produit, même si on sait que c'est la bouse de vache, la fiente de poule et les restes agroalimentaires, mais tant que les gens ne voient pas des pourcentages, à un moment donné, ils peuvent se retenir, se dire, mais à quel pourcentage je pourrais mettre ça? Et je dirais, ils m'ont lâché aussi. Mais en fait, voir d'autres possibilités de partenariat à l'extérieur, ça m'était très coûteux. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pu certifier mon produit, ni le mettre officiellement sur le marché. Et j'ai eu aussi un coup de pouce de la part de l'OIF via un concours aussi, qui m'ont financé pour renforcer la production. Donc, j'ai acheté une deuxième vache pour renforcer la production. Mais le challenge reste aussi à commercialiser aussi et à analyser. Donc, si les bailleurs peuvent mettre des initiatives d'accompagner, non seulement renforcer les capacités, mais d'accompagner les entrepreneurs et pérenniser leur investissement, ce sera bien. Mais pas de gagner une subvention aujourd'hui. Et si tu n'as pas d'autres subventions, tu restes là en attente. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on voit les projets 2 ans plus tard, ça s'éteint et on ne voit plus parler de ces projets. Et du coup, les bailleurs sont obligés de faire case départ et de refinancer d'autres initiatives au lieu de réparer cette erreur, de pérenniser ces initiatives. Moi, je rejoins Indey sur cette perspective, non seulement de nous donner les matériels, mais de nous accompagner jusqu'à ce que nous, on puisse avoir des activités régénératrices de revenus. Moi, honnêtement, à un moment donné, si je n'étais pas optimiste, j'allais m'arrêter. Le fait d'injecter mon salaire tout le temps, c'est fatigant parce que j'ai une famille derrière à nourrir. Et à un moment donné, ma famille commence à lâcher, à dire, bon, tu investis dans des projets qui ne sont pas viables économiquement. Mais je me dis, une entreprise ne décolle pas d'un jour à l'autre. Il faut beaucoup de temps pour que ça décolle. Si j'étais pas dans cette perspective, je dirais aujourd'hui, on n'aura pas parlé de moi et je serais pas peut-être invitée là aujourd'hui à être panéliste. Donc, j'appelle à tous les bailleurs, non seulement d'investir,
mais de nous encourager, de nous accompagner financièrement, renforcement de capacités, techniquement, et voilà, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Et peut-être dans le cas du Sénégal, particulièrement sur la décharge, je pense que Abidat a vraiment mentionné les bonnes pratiques autour, voilà, du renforcement de capacité, la formation, et puis veiller à essayer d'avoir des échanges avec d'autres pays pour comprendre et aussi identifier des partenariats intersectoriels. Au Sénégal et dans le cas de la décharge et la coopérative de Mbebes, quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait retenir et partager? Merci beaucoup. Je pense que les bonnes pratiques, c'est que on nous a initialement, nous les femmes, pour faire la formation de leadership et de violence. On a pu sortir nos idées et on a pu exprimer en liberté. Ça nous a permis cela grâce au BIT et leur expérience aussi, l'expérience du BIT. C'est grâce à l'expérience du BT. Parce que si on nous comble avec les hommes, ça sera difficile. Parce que pour enlever ce qui est en soi, ça sera très difficile. Mais ils nous ont, ça a été seulement les femmes, et on a plus confiance en nous, et on était fiers de nous-mêmes. Grâce à cela, on a organisé une leadership féminine. Nous avons organisé de faire un groupe de leadership féminin. Chaque mois, on fait des réunions, c'est grâce au leadership féminin. Si ce n'était pas du leadership féminin, on ne peut pas organiser ça. Et aussi le mutuel de santé. Le mutuel de santé, c'était aussi très important pour moi. C'était très important. Nous avons la capacité, notre expérience, de voir des expériences, de nous bien former, faire des formations, ça nous améliore aussi. Ça nous améliore et ça améliore nos esprits. Parce que moi, si je vois ma situation, je faisais l'école, j'étais en classe de terminale, tu sais, nous, presque au Sénégal, dans les banlieues, on ne communique pas français. Comme d'habitude, on communique seulement l'olof. Mais à un certain temps, mes parents n'ont pas de moyens pour continuer les études. Si j'allais travailler dans les autres, dans les autres, comme ménage, dans les autres maisons, à un certain temps, je suis mariée. Je ne peux pas travailler. Pour travailler, comme faire le ménage, avoir un patron, tu respectes l'heure que tu travailles. Tu respecteras son travail avant que tu passes à ta maison. Ça, c'est difficile. C'est dans cette perspective que j'ai allé dans le dessage. J'ai travaillé là-bas. Je suis autonome parce que je travaille quand je veux. Je commence presque à 10 heures. Je vais dans le dessage à 10 heures. 11 heures, je rentre dans le dessage. 18h, 19h, je descends. Si je descends, si je suis malade, je peux rester chez moi et aller à l'hôpital. Mais si tu as le travail de quelqu'un, tu ne peux pas le faire. Ça sera difficile. Si ton enfant est malade, tu ne peux pas le faire. Ça sera difficile. Tu n'es pas autonome. C'est pour cela, c'est ça qui m'a amené dans le dessin. Et je vois qu'il y a plus de confiance en moi parce que j'ai aussi l'occasion de faire des formations, comme des formations de leadership. Comme d'accompagner, de voir dans les autres partenaires. C'est grâce au travail du dessin que j'ai venu ici pour faire de formation en ligne. Si je ne travaille pas à la dessin, je ne peux pas le faire. Et ça m'a permis d'avoir des autres expériences. Voilà, ça m'a permis d'avoir des autres expériences. C'est ça. Je dois dire, vous êtes vraiment je dirais des modèles et des pionnières hein, de par votre persévérance sur les cas que vous présentez. Vraiment, je tiens à vous féliciter parce que ce n'est pas nécessairement facile, comme expliqué par Abidat.
Aussi, depuis 6 ans, il faut continuer, il faut avoir la foi et ne pas et donc avoir une certaine résilience par rapport aux difficultés de financement. Donc, on peut retenir hein, des points intéressants que vous avez eu de manière partagée, voilà, accès à l'éducation ou à la formation. Et que voilà, les bailleurs ont pu faciliter une certaine formation, l'accès aux ressources avec des subventions qui ont permis de démarrer un certain nombre d'initiatives. Mais là, l'idée est de voir dans la durée comment continuer l'accompagnement. Alors, comment est-ce qu'il s'agit de recevoir d'autres subventions ou bien est-ce qu'il s'agit d'améliorer les business models que vous avez pour accélérer les revenus par la labellisation, les certifications. Je pense, Abida, tu parlais tout à l'heure de, tu n'avais pas la certification pour ton biodigesteur. Et aussi, comment, par la suite, continuer l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est le réseau à travers la coopérative, mais les réseaux internationaux aussi qui peuvent peut-être aider le partage, la compréhension. Alors, une question qui peut être aussi intéressante et surtout vos deux expériences riches hein, qui proviennent, comme indiqué par Kerry, qui viennent de cas qui ont été développés avec également d'autres femmes hein, sur d'autres continents. Mais aujourd'hui, ici, vous avez, sur la base de votre expérience, comment, si on devait développer des nouveaux programmes, je pense que vos expériences sont très riches pour indiquer comment on pourrait mieux concevoir des programmes d'appui sur l'entrepreneuriat, par exemple. Quelles seraient vos suggestions aujourd'hui pour aider à concevoir des programmes pour aider vos initiatives, mais peut-être l'initiative d'autres femmes? Et surtout dans la perspective hein, de la protection de l'environnement. Mais quelles seraient, sur la base de votre expérience, les recommandations qu'on pourrait faire si on devait concevoir des nouveaux programmes d'appui? Si je peux prendre la parole, moi je dirais par rapport à ce que j'ai constaté qu'il y a nombreuses initiatives des femmes qui sont dans les milieux ruraux et qui ne sont pas accompagnées. On accompagne toujours les femmes qui sont dans les milieux urbains et peu d'initiatives des bailleurs tiennent en compte et en considération des activités faites par des femmes dans les milieux ruraux. Et pourtant, ces femmes-là contribuent beaucoup au changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre et un environnement durable. Donc, si je peux recommander quelque chose, c'est d'aller à la rencontre de ces femmes, de les regrouper d'une façon formelle, parce que travailler individuellement ne facilite pas la tâche, du tout. Donc, les regrouper en coopérative pour qu'ils puissent gagner des subventions afin de faire comme Andel l'a dit, d'avoir des moyens génératrices des revenus qui peuvent à leur tour aider leur famille financièrement et non vivre dans l'agriculture ou la pêche de subsistance. Donc, je dirais c'est ça en premier. Donc, si on regroupe ces femmes et après on renforce les capacités, c'est déjà pas mal. Excellent, excellent. Dans le cas de l'initiative, peut-être au Sénégal, quelles seraient, Ney, tes recommandations avec ton expérience sur la conception de nouveaux programmes? Comme nous, on voit que les bailleurs, avant de faire une prose, ils ne parlent pas avec les femmes. Il faut avoir des besoins spécifiques des femmes et accompagner aussi leur business individuel. Ça permet aussi aux femmes de bien avoir de l'économie. Ça permet aussi aux femmes de bien avoir de plus d'économie dans le business. Excellent. Il s'agit vraiment de se rapprocher de la compréhension de la vision des femmes
surtout celles aussi dans le milieu rural, comme indiqué par Habitat, et voir comment réellement accompagner les business models. Je vois qu'on Oui, arrive bientôt. Oui, alors? je voulais pas t'interrompre, Non, non, mais vas-y. oui, j'avais une chose que j'ai oublié de mentionner. J'ai constaté aussi que nombreux appels à projets sont dans les réseaux sociaux, dans les internets. Et ça, c'est pas à la portée de tous parce que pas tout le monde qui savent utiliser la technologie et qui sont réseautés. Donc, du coup, c'est un peu limité. Si les bailleurs peuvent avoir d'autres initiatives de communication pour que chacun de tous puisse bénéficier et adapter aussi le canevas, que ça soit très inclusif, parce qu'à un moment donné, il y a des gens, même ceux qui savent manipuler qui savent jouer avec la technologie, mais qui n'arrivent pas à postuler parce qu'à un moment donné, il y a le canevas. Je le dis parce que j'ai beaucoup apporté mon aide sur différents entrepreneurs qui voulaient postuler, mais le problème, c'était ça, ils ont raté l'appel à projet parce que le canevas publié, partagé par le bailleur ne répond pas à ses compétences. Donc, je dirais que ce serait mieux que les bailleurs, avant de lancer des projets, qu'ils fassent des formations de leur modèle Canva et changer aussi la manière de communiquer pour que ça soit très inclusif. Je vais citer aussi ces femmes-là qui sont analphabètes et qui se battent tous les jours pour avoir des économies et qu'à un moment donné, c'est une autre personne, Abidat, qui sait manier les outils informatiques, qui a le projet tous les jours et raison pour laquelle, si on regarde bien, même je vais citer l'exemple au Comment, ce sont les mêmes ONG, les mêmes coopératives, les mêmes organisations qui ont toujours les appels à projets. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent bien le système de remplissage, d'attention du bailleur. Et d'autres sont là à se plaigner, ce qui fait que le taux de postuler à des projets est maintenant minimisé. À un moment donné, les gens pensent que ce sont des lobbying. Ils se disent, moi, je postule pas parce que c'est sûr, ils vont prendre tel ONG ou tel ONG qui ils ont l'habitude. Et pourtant, c'est pas ça. Mais c'est la façon de répondre à l'appel à projet. Donc, si on peut aussi voir cette façon de faire, peut-être ça va aider à nombreuses femmes, à nombreuses jeunes à bénéficier de ces bonnes initiatives. Voilà. Excellent. Oui, effectivement, l'accès aux outils digitaux hein, et aux plateformes est aujourd'hui une nécessité pour faciliter les activités entrepreneuriales. C'est effectivement très important de considérer ça. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de la discussion. Ndeyros, vas-y, vas-y. Oui, alors moi aussi, il faut aussi qu'on nous renforce dans le business plan, le marketing et l'informatique. L'informatique, ça sera aussi. Et nous renforcer aussi même sur l'alphabétisation, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas avoir la chance de faire l'école, d'étudier l'école. Ça aussi, c'est bon. Il faut nous renforcer sur ça. Olola, si j'ai juste une question à poser avant qu'on ne termine cette partie, à poser à Ndé. J'aimerais bien comprendre un peu ce qu'ils font avec les déchets. Parce que j'ai compris qu'ils ne valorisent pas, mais qu'ils broient pour revendre. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est tous les déchets ou ce sont juste les déchets plastiques? Qu'est-ce qu'on vous en fait des déchets électroniques, des déchets organiques? Donc, c'est un peu pour savoir exactement ce que vous faites. Nous, comme nous, on a beaucoup de filières. Il y a les gens qui travaillent sur la ferraille, on dit les aluminium lourds. Il y a des gens qui travaillent sur les déchets organiques, on nous dit des diagochets. Il y a des gens aussi qui travaillent sur le plastique. Il y a des gens aussi qui travaillent sur les meubles, sur C'est bon. les éponges pour fabriquer, pour faire des fauteuils, des pots de fleurs. Il y a des gens qui travaillent. Il y a aussi des gens qui travaillent sur les textiles seulement. Ils prennent des textiles, ils vont le nettoyer, après ils vont le vendre. Il y a des gens aussi qui travaillent sur les chaussures. Il y a aussi les gens qui travaillent sur les chaussures. Nous avons beaucoup de filières. Il y a des gens aussi qui combinent beaucoup.
qui servent des ferrailles, des plastiques, des textiles. Il y a des gens qui travaillent comme ça aussi, surtout les hommes. Les hommes mélangent ça tout. Ils servent du travail, ils servent de l'armignon, de perm et des sachets de plastique. Surtout les hommes mélangent tout. Peut-être nous, les femmes, il y a des, comme c'est très lourd et c'est difficile aussi pour travailler parce qu'on a plus de, on a une décharge comme ça qui est large, ce qui a sa propre métier. C'est très lourd de mélanger ça tout pour les femmes. C'est très lourd de prendre de l'armignon, placer, qui déchets organiques, c'est très lourd. Mais il y a des gens, on nous dit, les mangeurs, ils travaillent seulement sur les déchets alimentaires. Il y a des gens qu'on appelle mousse. Ils travaillent seulement sur les plastiques. Ça. Si j'ai bien compris, vous regroupez toutes sortes de déchets et après, vous n'avez pas les moyens de les valoriser, vous les revendez, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, merci. Je OK, pense qu'il bon, est temps super. que vous soyez autonome et que les bailleurs prennent cette initiative comme une vraie et grande initiative très importante qui puisse vous former sur... Parce que moi, je trouve que quand vous avez tous les déchets, ça pourrait ouvrir beaucoup plus d'opportunités rien que pour revaloriser ces déchets et en faisant des outils et les commercialiser, ça serait très, très génial. Et là, il y a l'exploitation de la valorisation des différentes filières qui peut être justement un appui et un renforcement des différents business models déjà existants. Je pense que, bon, malheureusement, on est un peu dans une session aujourd'hui avec le dans un temps imparti de discussion, mais l'échange est tellement riche. Nous avons également reçu énormément de questions pendant que vous parliez. Peut-être qu'on va donner la parole à quelques-uns des participants à travers leurs questions. Et pour m'aider, hein, je vais demander à Anna Noémie, qui est chargée de programme à l'Institut mondial pour la croissance verte et qui coordonne un projet sur l'entrepreneuriat vert, notamment la mise en place d'un incubateur. Si Anna Noémie peut nous aider avec quelques questions des participants qui ont vraiment suivi avec grande attention vos échanges et vos retours d'expérience à Bidat. Peut-être Anna Noémie. Merci beaucoup, Lola. Merci, Abidat et Ndei, pour vos retours d'expérience. On a pu avoir quelques questions et que vous avez déjà même répondu à certaines. Donc, compte tenu du temps, on va directement passer à certaines questions qui vont vous permettre aussi d'élaborer. Une de ces questions, c'est comment arrivez-vous à concilier vos activités et vos ménages, votre vie personnelle? Quels sont les différents challenge à ce niveau-là et quels conseils vous pouvez partager? Ok, d'accord, je vais commencer Ndé, si tu peux me permettre. Moi, je dis souvent tout ce qu'on veut, on peut, comme les Européens, les Occidentaux le disent souvent. Donc, tout ce que l'on veut, on peut. Moi, je dirais, j'ai hérité de cette détermination de ma mère qui s'est battue toute seule avec quatre enfants et en travaillant au champ pour nous nourrir. Donc, je dirais, c'est génétique et un peu, je sais pas. Et donc, du coup, j'étais motivée à l'idée d'être un bon exemple pour elle et aussi pour mes enfants. Donc, c'est ce qui m'a motivée le plus. Et du coup, pour gérer mon temps, c'est pas facile non plus de gérer mon temps avec la vache, le biodigesteur, la famille et tout ça. Mais heureusement, j'ai une famille qui est très soudée, très bénie. Je profite pour les remercier à tous, ma mère, mon mari, mes enfants, parce que sans eux, je ne serais pas là. Mes amis aussi, je n'y manquerais pas.
Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est tout ce monde-là qui m'aide souvent, régulièrement, et qui m'aide à m'organiser avec tout ça. J'avoue que toute seule, j'y arriverai pas, mais c'est grâce au coup de pouce de tous ces gens-là. Merci à eux tous pour leur compréhension et pour leur accompagnement, pour leur soutien. Et voilà. Donc, du coup, quand on a un peu de soutien, on arrive à faire tout ce qu'on peut. Mais toute seule, j'y arriverai pas, honnêtement. Voilà. Merci beaucoup, Abidat. Pour moi, j'ai l'habitude, je dirais que j'ai l'habitude de le faire. Parce que quand j'étais comme élève, j'étudiais en même temps le travail de la, parce que ma mère allait au travail. Elle a deux garçons, deux filles. Mais je suis l'aînée, comme je suis l'aînée. Je viens, je fais le travail de la maison la nuit. Après le matin, je pars à l'école. Si je descends de cuisine, après on mange pour retourner à l'école. J'ai cette habitude, ça m'a motivée aussi, que j'ai cette habitude même quand je suis chez moi. Je fais, quand je descends, je me lave, je prépare les enfants, ils mangent. Quand ils dorment, je profite pour faire mon travail. Je nettoie la maison la nuit. Je me prépare. Si je lève le matin, je prépare mes enfants, je les amène à l'école. Après moi, je viens, je pars. Je pars au travail. Ça, c'est difficile parce que tu n'as pas le temps de se reposer. Mais c'est l'amour du travail. C'est ça. On a l'amour du J'avoue, c'est travail. C'est pour vrai. ça. Hein? On n'a même pas le temps de se reposer. À un moment donné, on se plaint. Et voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui fait notre fierté. Oui, c'est ça. C'est Merci ça. à toutes les deux. À travers vos retours d'expérience, il y a beaucoup de mots qui ressortent comme la résilience, beaucoup de passion aussi pour faire ce que vous faites. Donc, on vous remercie. Une dernière question à votre niveau. C'est vraiment, on est tous conscients que beaucoup d'organisations, elles ont démontré à travers des recherches que les femmes ont un taux de remboursement plus élevé pour les prêts. À votre niveau, est-ce qu'il existe un montant moyen d'argent dont vos entrepreneurs pourraient bénéficier? Une deuxième question, est-ce que vous pensez pouvoir matcher ou bien connecter vos initiatives avec des investisseurs en Europe ou en Amérique du Nord? Ça sera la toute dernière question avant de fermer le live. Donc, je vous donne l'opportunité de répondre. Bon, Elle n'a pas pour très nous, bien compris la personnellement, question. je l'ai bien dit, on n'a pas de moyens dans le sens où on fait du bénévolat parce qu'on devrait vendre avant d'avoir de l'argent pour tenir la coopérative. Donc, il n'y a pas on peut pas dire, on peut pas parler de salaire maintenant, c'est très tôt. Par contre, oui, on aimerait bien tisser des partenariats à l'étranger. Personnellement, moi, je voyais le Digesta Liquide Made in Comore de Chawiris Coops à l'international. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Mais tant qu'on n'avance pas dans l'analyse du Digesta de l'engrais liquide, tant qu'on n'avance pas sur la certification, rien n'est possible. Et sans l'accompagnement des bailleurs, on ne peut pas avancer. Voilà. Merci. Moi, de mon côté, on a l'habitude d'épargner parce qu'on fait des tontines. On fait l'habitude des tontines. On fait chaque jour, si tu veux, on fait journée comme par rapport à nous. Ce que tu gagnes, on fait des tontines pour ça. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui prend. Chaque semaine, on trie le nom. Si ton nom sort, on va te donner ton argent. Il y a aussi d'autres tontines qui, chaque année, c'est par an. Tu gardes ça jusqu'à un an, peut-être décembre ou Tabaski. On distribue chacun ce que tu as. On a l'habitude de gérer notre argent comme ça. On veut aussi d'autres expériences, d'aller dans les autres pays, de voir comment ils fonctionnent, comment ils font, comment ils vont travailler, comment ils vont faire une économie avec ça. On a besoin de cette expérience-là. Ça nous améliore.
Merci beaucoup, Nday et Abidat, pour vos retours d'expérience et d'avoir aussi partagé les difficultés que vous rencontrez aussi, les difficultés quotidiennes à différents niveaux. On ressort vraiment grandi de cet échange et on prend aussi l'opportunité pour remercier les différentes parties prenantes. Je vais laisser la parole à Olola si elle veut bien vouloir fermer le call avec les derniers mots de remerciement. Merci Oui, beaucoup. justement. Merci beaucoup, Anna Noémie. Je pense que la plupart des questions sont reçues et nous verrons avec le DJKP comment s'assurer que chacune trouve une réponse avec les participants. Peut-être donner la parole à nos panélistes encore une fois pour un dernier mot, un souhait que vous aimeriez voir, vraiment un cri de cœur par rapport à vos initiatives et comment vous voyez que l'aventure peut continuer dans chacune de vos initiatives. Un dernier message pour les bailleurs, pour la communauté. Je tiens tout d'abord à remercier les promoteurs de cette initiative, de ce webinaire. Je tiens aussi à remercier à tous les participants qui se sont donné leur temps pour nous suivre. Moi, personnellement, j'aimerais bien que toutes les femmes de la planète soient accompagnées dans leurs différentes initiatives et qu'on les valorise et qu'on les expose, qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient autonomes et qu'ils ne dépendent jamais des hommes. Merci beaucoup. C'est de vous remercier aussi de nous avoir donné cette opportunité vraiment de partager avec vous. Nous avons ravi de ça. Et surtout, donner une opportunité aux femmes de bien, d'avoir l'amour d'être entrepreneur. C'est donner ce sens aux femmes parce que les femmes sont des bras, elles sont braves. Parce que chaque femme, tu gères ton ménage, tu gères ton travail, c'est difficile. Il faut qu'il y ait un accompagnement sur eux. Surtout parce que les femmes, c'est l'avenir d'un pays. Parce que tu gères, c'est toi qui éduques tes enfants, c'est toi qui protèges tes enfants. Nous, la sens qu'on est avec les enfants, les hommes, ils n'ont pas ce sens-là. C'est nous qui comptons, qui constate ce que l'enfant est, ce que l'enfant ce que l'enfant est. S'il est correct, s'il n'est pas correct, c'est nous qui le constatons, pas les hommes. C'est cet amour-là, ce sens-là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il faut accompagner aux femmes d'aller à l'avant. Si on accompagne les femmes, ils accompagnent le pays, ils accompagnent le monde. Il faut nous soutenir. Il faut nous soutenir vraiment. Merci. Excellent. C'est sur ces messages forts et remplis d'amour et d'espoir que j'aimerais nous inviter à clôturer ce webinaire qui, ma foi, est court, tant le sujet est vaste et rempli de passion. Nous avons accueilli Ndeye Marie-Rose, qui est secrétaire de la coopérative des collecteurs de déchets solides Mbebes Bokdiom à Dakar. Et également Abidat Abdourahmane, qui est entrepreneur dans le secteur de la biomasse et biodigestion aux Comores et également qui a créé une coopérative dans le secteur. Encore merci à la plateforme de partage de connaissances de nous avoir accueillis, partage de connaissances pour la croissance verte, nous avoir accueillis, et également au comité des donateurs pour le développement des entreprises, pour cet échange riche. Nous veillerons à continuer donc les réponses aux questions et nous sommes heureux de vous retrouver prochainement avec une autre initiative. Merci encore pour votre attention et je vous souhaite un bon appétit pour certains et une bonne fin de journée pour les autres. Bonne fin de matinée également pour ceux qui nous suivent depuis le Canada. Merci. Merci.